Si tu peux courir, c'est pas bon. J'avoue que si je peux courir déjà, c'est pas bon. T'as pas une flashlight? Non. Attendez, il y a une voiture et moi j'ai une clé. Donc je pense déjà que ça c'est bon signe. Ah. Peut-être que... What this creepy hole thing doing? C'est pas ma bagnole. On est d'accord, c'est pas du tout ma voiture. Ça, c'est pas bon, ça. Ah, j'ai pas vu que c'était écrit Aouski. It's now unlocked. Très bien. Hey Ryan, you home? I'm back here. Ok. Je referme. Hey sweetie, how was your day? Oh, bollocks. Same old carnage. Sounds like you're having fun. Ça sent pas. J'ai toujours peur que ça sent la douille, hein. Did you pick up the spare I asked you to get? Sorry, it's been crazy today. I completely forgot. J'ai cru au début que c'était quelqu'un. J'ai eu peur. Don't be an idiot. You'll electrocute yourself. Ah, sod it. Why don't you get a fire going while I finish up here, and then we can set. Qui dit pas que ça va mal finir, hein? See, now you're thinking. Bon. Alors ça, c'est la clé de quoi? Wood shed key. Woodshed qui, je sais pas quoi, c'est pourquoi du coup. Ouais, d'accord, ça va pas être là. Hein. Ça va être dehors. Hein. Ouais, il y a une alliance. Ah! Attends. Ok. Ok. Quand t'as démarré, quand t'es parti, le fourgon s'est éloigné. Ah, a démarré 100%. Ah ouais? Pensais que c'était lui? C'est quoi le truc que j'ai? Paperwork, je sais pas quoi. Putain, c'est chiant. Du coup, j'ai peur qu'il y ait un sale bail. Putain, il m'a fait peur! Fourgon de merde, là! Oh! I need stack. C'est bon? Ok. Chérie! Ah mais je vais le mettre au feu. Le fireplace est empty. Eh ben. Regarde-moi ça. J'ai trop peur. Le fourgon ça sent la douille. On est d'accord. Le fourgon ça... Ça sent la douille. Là, donc, il nous faut des allumettes. C'est ça? Les gars. C'est vrai que le fourgon, là, ça sent la douille d'un coup, je trouve. Maintenant que vous êtes en mode... Ah, bah voilà. Maintenant que vous êtes en mode kiki, ça sent mauvaise histoire. Je suis en mode peut-être que ça sent la douille. Téléphone. Toujours là mon... Ouais, là. Il est où le tel? C'est où?
Ah, attends. Médicaments. Oui, oui, je fouille avant. C'était où le tel? J'en profite, je fouille un peu. Il doit être là. Là. Allô? Dr. Hedwig, it's Robin from Pathology. Non mais du coup j'avais peur qu'il y ait un truc. I know it's your weekend off. It's fine, Robin. What can I do for you? I was just going over the blood test you ordered from that dead vagrant from last week. The one with the strange necrosis. Probably nothing. Non, j'ai pas fermé la grille à l'entrée. Just play it safe until the results came back. Yeah, the thing is, I'm having a little trouble finding the body. I gave Slovenia an earful about it earlier. He's probably just moved the body into quarantine already. Well, that's a relief. Thanks, Lydia. I'll give him a call. Actually, while I have you, some guy was poking around earlier, asking about the autopsy reports. He mentioned that he was looking for you. Hello? Allez, ça y est. Robin? Allez, le classique, la ligne coupée. The weather's really screwing with the lines. Anyways, enough work, you. You'll miss the start of the film. Qu'est-ce que je fais? Ah bah il est là. Voilà, comme ça je me pose et je regarde la télé avec lui. Everything okay? I'm fine. It's just you remember that homeless. Non mais je me dis que 100% il y a un tueur en série qui va débarquer, qui va nous buter. C'est obligé. 100%. J'avoue qu'il est chum. I do hate that you have to deal with crazies like that. Mais là. What, Slovenie? You know what I mean. Je peux pas passer et je peux pas de bouger la tête non plus. Thank you for asking. Donc je me dis bon. Still, ça sent mauvaise cette histoire. I don't like mad hobos lunging at my wife. You remember I had to rescue you from a spider this morning. That's totally unfair. I had soap in my eyes. Besides, eight legs against two. It's just a plain unfair advantage. Oh, I see. You just needed me as backup. Exactly. I could have taken it. Sure you could. Anyway, I'm sick of talking about work. Can we just watch the film? C'est un vieux film qui est diffusé à la télé là. Mais après, on n'est pas dans les années 2000 aussi, hein. Faut pas oublier. Hein. Ah, just watch me. Oui. Le problème, c'est que ah voilà, je pouvais pas tourner la tête. C'était ça le problème. Ah, jour 2, le 8 décembre 1984. Feels like I've been asleep forever. What time is it? Ryan? Il est pas là. Il est pas là. Hein? Un fusible est manquant. Ça d'accord? Le chat? Le chat? Je me sens pas très bien là. Oh bah je pense qu'il est mort hein. On a les fous les clés là. J'ai pas les clés. Attendez. C'est 10 clés. Ça dit que les clés sont rangées où ça? Il s'est coupé avec une feuille. Attendez, c'était écrit quoi? Faut qu'on revoie.
Merci beaucoup, Filt. Merci, Filt the Wall. Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Et merci, Sam, pour les 6 mois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci infiniment. The key can be seen in the other side of the lock. Quoi? Attends. Ah là! Rien de glacis. Ça, c'est la merde. Mais what? Merci beaucoup pour les 2 subs. Merci infiniment. La ligne a été coupée. Oh. La clé sur la porte à l'intérieur. La clé est à l'intérieur de la... Ouais, mais à l'intérieur de la pièce, ok, mais... Attends. Toolbox. Ah, mais elle est fermée, la toolbox. Il me faut un item, un truc pour casser. Oh ! On est mort. On est foutu. Non, non. On est mort. Allez, c'est fini. Hein. Pour nous, là, on est foutu. Allez, c'est le décès. Ah, faut nous donner un truc, là, pour se battre. Hein. Et vite. Hein. Ah bah, donner un coup. Je me sens pas bien. Là, faut donner un couteau, faut donner un truc. Hein. On va se faire buter. Putain. Les gars. Pourquoi est-ce que je sens qu'on est foutu? Je vais fouiner. Bon, je pense que le mari est décédé. Hein. Il est plus là, mais... Non, il était pas de ce côté-là. Ah, j'aime pas le fait qu'on puisse faire ça. Le fait qu'on puisse s'accroupir, c'est quelque chose que j'apprécie pas fortement. J'imagine. Et attends, est-ce que je peux faire examine sur ça? Bon, si vous avez des infos. Le mec est plus là, hein, alors qu'il était à la grille. Hein. J'imagine qu'il est rentré. Je prends quoi? Les lunettes dans la porte? Vas-y, on va essayer. On aura essayé. À votre avis? Qu'est-ce que je peux faire à votre avis? J'allume un feu ou comment ça se passe? Lunettes, boîte à outils.
ferme la porte, mais bon. Cherche un couteau dans la cuisine. Bah, y a pas de couteau, c'est quand même affolant là-dedans. T'as des couverts, t'as tout ce... enfin, t'as des assiettes, des machins, mais y a pas de couteau. Peut-être. Attends, y a du scotch. C'est Jenks and Clean Product. Qu'est-ce que je peux prendre ? Mets le feu au tas de feuilles. Quoi ça? Je peux rien faire avec ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vois pas là. T'as la boîte est fermée, tu l'éclates un grand coup par terre. Le truc électrique, ça dit qu'il manque un fusible. What? J'ai pas compris là. La carte de crédit de Ryan. Carte de crédit. Attention, je vais me prendre un screamer. Je pense qu'ouvrir la porte avec la carte de crédit, c'est une bonne idée. Oh bah. Ouais, là, on va prendre un screamer, je pense. Ça, c'est fermé aussi, voilà. Peut-être la carte de crédit. Et voilà, boum. Une petite clé. Petite clé. Qui va? Les gars? Les traces de pales, y étaient pas. Carte d'hôpital, ça y était pas non plus. Qu'est-ce que je peux faire avec le screwdriver machin là? Oh là là, c'est pas possible. Sans déconner, c'est pas possible. Comment ça, la fenêtre? Oh putain, non! J'ai bougé le... Oh, j'ai baissé le son. J'ai pas entendu. Il y a la fenêtre qui s'est brisée. Merde. Mais voilà. Oh.
Oh mais là on est foutu. Bon bah là on va mourir. On va prendre un gros screamer. Mais c'est pas possible. Ça, ça marche pas. Qu'est-ce qui nous manque? Les gars, j'ose plus. J'ai une boule au ventre. Je n'ose plus. Bien joué. Rusty Nail, ok. Il manque un truc. Ah, c'est bon. Bien joué. Oh bah alors là. Alors là, préparez-vous mentalement. My God, Ryan, what's happened? Oh le screamer. Oh le screamer. On est foutu, hein. Donc, il est vivant. Ça veut dire quoi? Elle dit quoi, là? Je peux sauter aussi. Je vais l'attendre là. Hein. Ah, les médicaments. Ok. Non mais les gars, le mec 100%, il est dans la baraque. Je vais chercher les médicaments en courant. Merde. Je prends quoi? Attendez, c'était un bug d'image ou il y avait quelque chose à côté de moi? J'ai tellement envie d'enlever le casque. Et comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Tiens!
Et là, c'est la panique, hein. Il faut que je trouve un truc vite. Je peux pas sauter. Des idées, le chat, des idées, des idées. J'ai de la gasoline, c'est cool, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah mais attends, le mec il avait tout des trucs... Les allumettes. Oh putain, j'ai encore les allumettes. Bien joué. Oh, j'avais oublié que j'avais ce petit paquet d'allumettes là. Oh, il va me bouffer le mec. Oh, il y a la camionnette. C'est quoi ce bordel? J'aurais mieux fait de partir de l'autre côté, je pense. Ça, c'est l'abri de bus. Mais attends, tu veux que je fasse quoi? Que je retourne chez moi? T'as pas regardé à l'arrière? À l'arrière de quoi? Du camion? Vous voulez que j'examine le camion, l'arrière? Bon, on peut le faire si vous voulez, ouais. Attendez. Pas l'examiner, malheureusement. Attendez, hop. Oh là là, ça sent la douille. Ouais, c'était un dictaphone, je crois. Ouais, par contre, le voisin, oui, j'avoue, c'est complètement le voisin. Moi, j'ai que ces deux trucs. Faut que j'aille vite à la maison. Mais mon mari, il est mort, là. Oh, il est plus là. Je cours. J'ose pas me retourner. Je trace. Il est vraiment stylé, pour le moment j'aime beaucoup. Bah quoi va me servir la gasoline? C'est le mec qui la grabe. Emergency services. What service do you require? It's my husband. Someone attacked us and he was hurt. Now I can't find him. Okay, remain calm. Can you tell me your name and location, please? Lydia Herdwick. I'm at a phone box behind Blackchurch Road. There's a body outside. I think it's the man who attacked us. Thank you, Mrs. Herdwick. You said there's someone outside? He's dead. There's blood everywhere. I have police and an ambulance on the way. Can you get somewhere safe until they arrive? Oh, est-ce que vous pouvez vous mettre I'm behind my house. Oh là là. Lock yourself inside. Help will be there shortly. Please hurry. Je me suis enfermée dans la cabine. Je peux pas faire plus safe. Je fais quoi? À moins que je sorte?
Tu dois aller t'enfermer chez toi. Non mais... Oh et genre maintenant il fait nuit, c'est ça? Genre m'enfermer chez moi, mais ça va être horrible là. La fenêtre elle est brisée, mon mari il est mort. Enfin potentiellement mort je pense. Il y a des bruits chelous dans la forêt, on va se faire buter. Ça sent la douille. Je m'enferme où? Putain. Police. Monsieur le policier. Police, c'est moi. Don't come any closer. Ok, vous approchez pas trop près. Help me. I don't know what's happening. Non mais oui, non mais j'ai besoin d'aide. What the hell? C'est moi, en fait, la bestiole. Mais en fait, je suis un loup-garou. When backup arrived at the Herdwick residence, they discovered the brutally savaged remains of police constable Kessler. Upon entering the property, they found no sign of Lydia and Ryan. Ah mais lui. Stranger, known only as Bishop, was discovered by the phone box Dr. Herdwick described in her emergency services call. The body was later claimed, and all records and paperwork destroyed by parties unknown. Ryan Herdwick was found wandering the moors 3 days later. Despite his bloody clothes and dazed state, he was otherwise unharmed. When questioned by police, he claimed to have no memory